Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite et sûrement la fin de notre aventure sur Dead Space Remake, évidemment, avec l'épisode 22. Et on était enfin sur la planète. Nous avons quitté Nishimura. Nous avons 2-3 petits réglages à faire, je pense, comme quelques petits achats qui peuvent être très 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 sympathiques. Exemple... placer cette pièce sur l'établi, exemple ça en vrai, non? On peut peut-être se faire un petit plaisir, je sais pas. Je vais prendre ça pour voir un petit peu ce que ça donne. Et on va voir si on peut faire du méga PK, une gigantesque dings, je l'espère. J'ai peut-être lâché cet argent pour rien, et ça m'embêterait énormément. Oh, la spéciale, elle est là. Les puits de gravité peuvent désormais des dégâts sur la durée, waouh. Ok, très bien. Très bien. Ok, de toute façon, j'ai l'impression qu'on n'aura pas la dernière armure. Donc en vrai, on va tout dépenser. J'ai de l'argent, on va tout dépenser dans des choses qui peuvent être utiles et non futiles. On va prendre 2 comme ça. Et on va prendre un dernier point comme ça. Ok. Il me reste 26 000. Ça me paraît pas mal. Si vraiment on galère sur le boss final. Dans ces cas-là, on improvisera avec l'argent qui nous reste. Très bien. Superbe. Allez, on est parti. Une petite save. Je pense que je vais rien regretter de toute évidence. On a fini avec pas mal d'argent. Je sais pas du tout à quoi ressemble le boss final. Je rappelle que Dead Space 1, je l'avais fait il y a extrêmement longtemps. Et maintenant, j'ai vraiment le doute de... Est-ce que je l'ai terminé, en fait, hein, tout simplement. Je suis même plus sûr de l'avoir terminé, hein, pour être honnête avec vous. Ok. Très bien, ça. Lui, il est mort. On m'a dit donc qu'il y avait un point juste ici. Ici le sergent Brad, nomade de la sécurité. Rapport d'évacuation. La navette a disparu. Elle a décollé et s'est écrasée juste après. Dans le hangar. Il y a de nombreux suicides. Sûrement une centaine. On a perdu les autres navettes. On peut plus voir ici. Si vous m'entendez, n'atterrissez pas. Je répète, n'atterrissez pas sur les systèmes. Oh. Ils nous ont laissé crever. Je me suis chié dessus, les gars. Le signal du monolithe nous modifie, nous recombine. Mais il y a un espace mort dans ce signal, autour du monolithe lui-même, l'œil du cyclone. Ils ne peuvent pas y rester longtemps. Et ça? Et ce cristal? Pourquoi là? Il l'amplifie. Le signal du monolithe sera ressenti sur toute la planète. Les morts dormiront. Et les vivants verront à ce qu'ils ne peuvent s'oublier. Ok, elle commence à être chimique, elle. Hein. Les gars, elle commence à être chimique de ouf. J'aime pas trop ça. On va prendre une nouvelle save au cas où. Ok. Ah, on crache à la gueule. Voilà, ça dégage. Hop, si sauteuse, mon pote, on refait les travaux intérieurs, extérieurs, ok. Allez, on est parti. On s'en met dedans, on l'emmène en haut. Let's go. Ok. Allez, rentre petit monolithe. Là, je crois que c'est pas bon ce qu'on est en train de faire. Hein. Je vous le dis, c'est pas bon. Hein. J'ai que 2 soins. Mince. Ça sent vraiment pas bon. Hmm.
Après ça, faut vraiment que j'utilise mes stases. Hein. Ok. Alerte. On va rester là au calme, hein. Possible. Désolé là, les amis, je suis en pleine restructuration sur mon état d'esprit. Ah ! La vache. Levé de la quarantaine. Il te manque, Isaac. L'équipe du Calion. Ouais. Le pôle médical vidé de jour en jour. Les amis partaient, puis revenaient dans des sacs mortuaires, avant de revenir. Tu te demandes, est-ce que c'est de la folie si tout le monde voit ce que tu vois? Je ne t'aurais jamais laissé dans cet endroit. Tu le sais. C'était l'étoile qui brillait pour moi dans ces ténèbres. Isaac va me trouver. On est fatigué, hein. Elle est de toute évidence très fatiguée. Je peux la comprendre. Ok. Je vais fouiller maintenant, je m'en bats les couilles. Je vais fouiller maintenant, je m'en bats les couilles, hein. Ok. Oh, waouh. Bien, on peut passer à la nouvelle phase d'action 2.0. On va devoir activer 3 bordels. Je suis plutôt serein. En termes d'esprit d'équipe, on est au max. On va activer celui-là. Allez, on va se recaler ici dans notre coin fétiche, hein. Ça va être long cette histoire. Ok. On va se caler là. Oh. Ok, c'est bon. Attends, il y a forcément un petit truc là-dedans, non? Même pas?
Même pas, très bien. Allez, phase suivante. Petite pause de save, ça on apprécie. Ça on apprécie. Ok. Allez. Fouh. C'est bon. Appuie sur tester la connexion. Ça dit quoi? Panne d'alimentation détectée. Générateur d'attache. Contrôle de la gravité. Une des attaches de gravité au sol. Peut-être une ligne électrique endommagée. Je m'en occupe. Oh non. Fais vite. On ne peut pas échouer maintenant. Vous tous là. Mais où là? Ok. Putain, il y avait ça, comme par hasard. Ok. Bougez pas. Bougez pas, bougez pas. Vas-y, on va le mettre là, hein. Ok. Ok, ok. Je dois faire quoi moi dans ces conneries là? Je dois aller là. Très bien, bah on y va. Entrez dans le contrôle de l'arrimage. De contamination croisée enclenchée. Ok. Tout a l'air tellement complexe. Alerte. Alimentation principale interrompue. Générateur d'arrimage en service. Je l'ai. Oh non. Un aller simple pour l'enfer. Oh. Waouh. Ok. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Pourquoi il y a tout ça là, les gars? On sait que ça va swinguer. C'est évident. Pourquoi il y a tout ça? Si on va faire plus qu'un, les gars. Ah, c'est... Vous m'avez fait peur, les gars, et oh.
attendez. Soit c'est moi qui suis fou. Ok. Je sais plus où est l'endroit de l'envers. Où aller? Impec bien. Je sais plus où est l'endroit de l'envers. Qui est-ce que je prends là, moi? Oh là là! Je me suis perdu. On va aller, on va continuer, on va essayer d'aller dans ce sens. Et uniquement dans ce sens. Ah. Très bien. Ok. Oh non les bâtards, mais vas-y, ça se fait pas. Ok. Courant des générateurs d'arrimage rétabli. Parti pour le redémarrage. Ok, ok, on est reparti. Redémarrage de la tâche. Entrée en démo gravité. On va récupérer comme j'avais fait. Le courant est revenu. Reviens vite au monolithe. Le site d'excavation est juste en face. Ne faisons plus qu'un. Ok. Non mais sérieux, par des vieux ventilateurs, c'est horrible hein, le temps qu'on perd. C'est là. Oh, j'ai cru que je peux... J'ai pas l'impression qu'on soit... J'ai pas l'impression qu'on soit au top. Ça bouge pas. Sortie d'une zone en zéro gravité. J'ai pas l'impression... Attendez, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on... Je dois pas comprendre ton intérêt du jeu là.
Il est juste derrière. Ouais. Quand tu cries comme ça, hein. Brûle, frère! Frère, c'est trop! Tout ça pour ça? Je viens de fumer l'intégralité de ma life? Pour ça? On troll là, non? Attends, parce que là j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule. On se fout de ma poire. Ok. Essayer comme ça, hein. Ok. Ok. Oh, s'il y a un autre, je me barre. S'il y a un autre, je me barre, les gars. Ça sert à rien. On va pas insister 20 ans, hein. Cette connerie là. Ok, ça j'aime bien. Attendez. Ah ouais, d'accord. N'en dites pas plus.
C'est bien ça, hein. C'est bien ça, hein, finalement. Hein. Ok, par contre, le problème, c'est que je vais de l'autre côté, alors comment on fait? Merde. Merde, merde, merde. Je vais de l'autre côté, les gars. Ok. Alors, transporter... Ah, putain, c'est pas fini. Ah, c'est pas fini. Sûrement là. Ouais, 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 c'est là. Ok. Bon, regardez ce qui va se passer. Oh non. Ok. Bien ça. Ok. Ok, 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 ok. On continue de passer là-haut. Il fait peur ce con. Ok. Vache, tout ça pour ça? Oh wow. C'est quoi ça? C'est pas vrai. Frère. Bâtard. Ok, ok. Là on a quoi? Oh bien. Oh bien. Oh la vache. Bon. Allez, go. Ok. Et on va le monter là. C'est un enfer hein, de jouer avec ce, ce monolithe à la con. Hein. Commence à me casser les couilles, vos histoires. Hein. De merde, là. Allez, dépêche-toi. Allez, allez, on y va. Ok. Y'a un message ou pas là-dedans, là? Non, c'est que des munitions de lance-flammes, frère. Allez, une petite save. Espérons la dernière. C'est compliqué, là. Hein. Ça devient complexe. Ah. Place le monolithe sur le piédestal, vite. Gratuit ça? Attends. Oh non. C'était
c'était gratuit, putain de merde. Ok. Frère, t'emmènes ta grand-mère à l'école, toi. Oh là 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 là. Pue la merde, le tranche mes couilles. Ok. Tout ça pour aller où là? Je comprends pas. Pour aller là-bas. Ouais. Et alors? Attendez, ça a l'air. Oh. Ok, c'est bon, j'ai compris. C'est un putain d'enfer sur Terre. Sauf qu'on n'est pas sur Terre. Faut que j'aille où là? Ça va s'ouvrir, ça je te le dis. Ok. Oh, bibiche. Bibiche. Ah d'accord. La reine mère arrive. Nous ne devons faire plus qu'un. Bien. Waouh. Il y a de l'action dans les petites boîtes surprises. Ok, ça va. On est en meilleur état que ce que je pensais. Par contre, je ne vois vraiment pas à quel moment. Okay. Le méga PK, c'est vraiment du cheat. Hein. Heureusement que je ne l'ai pas utilisé. Hein. Maintenant, remets-le sur le pied des sacs. La gueule.
Allez. Bon, c'est pas fini, hein. Je peux te le dire, mon pote, c'est pas terminé. Waouh. Merci, Isaac. J'ai toujours eu foi en toi. Nicole. Enfin. Nous ne formons plus qu'un. Alerte d'urgence. Attache gravitationnelle géo-orbitale active. Charge tectonique libérée. Impact imminent. À tout le personnel, évacuez immédiatement. Déchargement. Je vais redémarrer le générateur, pour gagner du temps. Vas-y. Mais c'est pas possible d'être aussi con que ça, les gars. Si, c'est possible. Est-ce que c'est réellement possible? Non mais j'ose croire que c'est sauf impossible. Allez, je prends le contrôle gravitationnel. Allez, allez! Laisse-la partir, Daniels. De qui tu parles? Tu vois pas à quel point tu délires? Il faut partir. Le chargement du brise-surface est sur le point de tomber. Je t'ai donné une chance de changer d'avis, Isaac. Mais si tu comprends toujours pas, je vais t'aider une dernière fois. Contournement du lien Rig. Cette fois, regarde jusqu'au bout. Isaac, c'est moi. J'aurais aimé te parler, mais... je suis désolée. Je suis désolée pour tout. J'aimerais juste pouvoir parler à quelqu'un. Tout s'écroule ici. J'arrive pas à croire ce qui se passe. C'est étrange. Une si petite chose. Juste comment parler. Voilà toutes ces recherches en fin de compte. C'est pas grand chose, hein. Comment lui faire entendre alors qu'il ne voulait que la convergence? Moi, je souhaitais autre chose. Il a parlé. Et puis, écoutez. Arrêtez. Arrêtez ça, je lui ai dit. Il a peut-être compris, mais... de bonnes mains. Le monolithe ne manipulera plus personne. Donne-moi les commandes du chargeur. Non. C'est fini. Nous ne sommes plus qu'un. Bon, Jacob, je ne me répéterai pas, Cross. Non! Il y a eu assez de morts! Alors, allez-y. Je n'ai plus rien à perdre. Cross!
mieux comme ça, Isaac. Tu ne te remettras jamais de ce que le monolithe t'a fait. Et quand la charge tectonique tombera, tout sera enterré. Exactement ce que veut le gouvernement. Quel merdier! Alerte. Augmentation de l'activité sismique. Évacuation des lieux. Ok. Quel merdier, les amis. Ok. Donnez-moi des munis et tout, là, j'en peux. Je peux encore y arriver, ok. Ok. Oh, attendez. J'avais oublié un truc important. Eh ouais, mon pote. J'avais oublié un truc important. On va viser à l'ancienne, les gars. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Oh, la vache. Ok, une petite save, peut-être. Ah ouais, d'accord. Ouais, bon. Les gars, quand il se passe ça, c'est qu'on va passer un sale quart d'heure. Je te le dis. Waouh. Oh là là. Oh là là, le merdier. Ok. Oh, le merdier. Bon, on va refaire tout le tour vers l'infini et l'au-delà. On va save, ça serait dommage de mourir quand même. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on a? Bah ouais, mais les gars, j'ai l'impression qu'on a trop de trucs, hein. C'est incroyable. Énergie de stase. Zone de la stase. En vrai, ça se passe si mal, je pense. Ouais, c'est pas mal. Non, c'est ça, là, on a une stase en plus, c'est bien ça? Ouais, on a une stase en plus. Bah, attendez, attendez. On va finir un truc. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai rien de dingo, hein. Ah si. Hop, des petits dégâts en plus pour le traiteur plasma, c'est pas mal. Ok, parfait. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Qu'est-ce qu'on peut acheter de beau? Peut-être des soins, non, je sais pas. Si, du moins, on a assez. On a assez pour un soin et on a assez pour quelques munes. Allez hop. Je prends le risque. On va tout miser sur les soins, les amis. On va tout miser sur les soins. Il me reste quoi en soins d'ailleurs? Putain, j'en ai 4. Waouh. Ça me paraît beaucoup. Oh, c'est parti. C'est parti, allons-y, let's go. Le boss final, je pense. En tout cas, tous les indices sont au vert. Ok. Ah, c'était évident. Isaac, je rigole pas. Agnès. Elle est là. La reine mère. Flûté à l'ancienne. Attrape ma main. Isaac. Ah. Il y a beaucoup de... Ok.
c'est inutile. Je vois. Ok. Vache, c'est dur de viser avec ça. Ok. Très bien. Bon. Ça sépare en deux, pourquoi pas. C'est pas vrai.
suis mort là, non? Mes frères, c'est la pire passe du monde, ça, mon ref. Immortel. Veine. Attends, ça me paraît presque trop simple. Comment ça, mon ref? Quitter la planète. Isaac, c'est moi. J'aurais aimé te parler, mais... je suis désolée. Les amis, c'est la fin de notre aventure horrifique sur Dead Space et pour être totalement honnête avec vous, c'était un très bon remastered. Les textures étaient vraiment, le jeu est dans une ambiance...
Incroyable, et comme quoi, à l'époque de la PlayStation 3, quand il était sorti, ça fait plus de 10 ans maintenant, c'est vrai que ça avait un peu réinventé, mine de rien, le survival horror, le côté horreur horrifique, où justement, il fallait viser et apprendre à connaître ses ennemis pour y viser ses points faibles. Le jeu était, à beaucoup de moments, une sacrée souffrance hein, en termes de munitions et tout. On a eu chaud bien plus d'une fois. Le boss final a duré pas mal de temps, mais... en vrai, un peu décevant, voilà. Je trouvais pas que c'était le boss le plus fou. Il y avait des situations bien plus dangereuses juste avant que le boss final. Mais au moins, ça n'a pas été non plus trop abusé. Et très honnêtement, ça prouve que Dead Space est un jeu mythique, légendaire pour le survival horror. Ça réinvente les Space Odyssey de la terreur. Et... c'était très agréable à faire. Jeu pas évident. Survival horror avec des mécaniques un peu anciennes, mais assez agréable. Et très honnêtement, c'était le début d'une très grande saga, malheureusement, qui est partie un petit peu en cacahuète avec Dead Space 3, vous l'aurez compris. Tenue de rig de soldats avancés, niveau 6 débloqué. J'aurais bien voulu, je pensais qu'on pouvait l'avoir avant une game, mais apparemment, il fallait terminer le jeu. Heureusement que j'ai pas attendu comme un con avec tous mes crédits. Les amis, on va s'arrêter là. J'espère que cette aventure horrifique vous a plu. Cet épisode était incroyable. Je vous fais de gros bisous. À la prochaine. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. Bye bye tout le monde.